Salam la mif, bien quoi la famille. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette journée, bravo encore une fois au Maroc, aux Marocains. Wallah, vous avez super bien joué et vous méritez amplement cette qualification parce que wallah, vous nous faites kiffer. Vous y allez avec hargne, avec fierté et ça passe et vous gagnez et inshallah yarbé que vous allez jusqu'au bout du bout et que vous gagnez cette Coupe du Monde parce que wallah vous le méritez et vous jouez super bien la famille. Bon la mif, on va revenir sur ma story d'hier et je vous explique. Hier je parlais de l'incident là avec Samuel Eto'o qui a frappé le jeune youtubeur algérien là. Il lui a mis une frappe dans la tête et juste avant de faire ma story, j'en parlais avec le frérot Brian O'Kaelem. Il me disait, ouais, frérot, bon, chacun avait ses points de vue, tu vois. Moi, je lui dis, personnellement, pour moi, c'est un gros bâtard. Tu vois, ça se fait pas. Et même si ça aurait été du côté algérien, tu me connais, je l'aurais dénoncé pareil. Parce que c'est un hagra, même s'il pète les plombs, tout ça. Il y avait quelques divergences. Parce qu'il faut dire la vérité, tu vois. Si un youtubeur camerounais aurait cassé la tête à un dirigeant de président de fédération en Algérie, frérot, on l'aurait crucifié. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Mais j'aurais dénoncé comme je dénonce Samuel Eto'o. C'est un acte de bâtard et ça se fait pas. Maintenant, j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire une story aujourd'hui et je vais appuyer avec des gros mots forts pour voir. Et j'ai dit au frérot, je vais faire une story, tu sais, un peu forte, tu vois, dans les gros mots, tout ça, pour voir la réaction des gens. La famille, j'ai fait un constat alarmant. Écoutez bien ce mot, un constat alarmant. Ça va, depuis que je suis sur les réseaux, il y a eu des événements. Je suis passé sur BFM TV. Booba, il m'a partagé plusieurs fois. J'ai eu de la force de la part de, tu vois, des médias, des gens qui sont dans le monde de la musique depuis plus de 20 ans, qui sont ultra connus, tout. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu autant de vues. Autant de vues, écoutez bien. Autant de vues, autant d'ajouts. Et malgré qu'hier, il y avait le match de la Coupe du Monde, il y avait le Maroc qui jouait, il y avait plein de trucs, donc les gens n'étaient pas censés être trop sur les réseaux sociaux. Wallah, la famille, j'ai jamais autant de vues, autant d'ajouts dans mon snap que hier. Quand j'ai dit que Samuel Eto'o, c'était un fils de pute, et que nanana, il a frappé, nanana, nanana. La famille, wallah, j'ai eu tellement d'ajouts qu'à un moment donné, j'ai eu peur, j'ai dit mon snap, il est en train de devenir fou. Pourtant, ça fait un petit moment là, que je suis sur les réseaux. Hein. Donc je vois à peu près, tu vois. Quand t'as des mentions, quand tu passes à la télé, quand tu vois, je vois un peu les retombées. Quand t'es désigné quelque part. La famille, wallah, j'ai jamais eu autant de vues et autant d'ajouts que hier. Les gens qui sont venus me parler, c'était que des gens nouveaux, que des ajouts. C'était vraiment que la haine des réseaux sociaux. Aussi bien des Renois qui détestaient les Rebeux, et aussi bien des Rebeux qui détestaient les Renois. Ils sont sortis, l'Aïstar, de sous terre. Je sais pas d'où ils sont arrivés, mais la famille, c'est un truc de ouf ce débat-là, comment il y a trop d'hypocrites dedans. Et je comprends mieux pourquoi, wallah, hier, la famille, j'ai compris pourquoi l'autre tête de doigt de pied, l'autre Kahba Blafous de Lyon, en a fait son fonds de commerce et en parle 3-4 fois par semaine. Parce que ça fait... En fait, les gens, ils aiment le sang sur les réseaux sociaux. Et tu sais, tous ces frustrés-là qui font les hypocrites toute la journée à croire qu'ils aiment telle ou telle personne, qu'on s'en fout de la nationalité ou de la couleur de peau, wallah, c'est faux. Il y a des gens bien, attention. Alhamdoulilah, hein. Moi, les gens qui sont déjà sur mon snap, wallah, bizarrement, j'ai reçu aucun message d'eux. S'il y en a, ils m'ont dit, ouais, c'est pas bien, tu vas un peu fort et tout. Mais pas des messages de haine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais t'en as qui, les nouveaux là qui sont arrivés sur mon snap, mais je vois maintenant l'audience qu'a le mec de Lyon. Franchement, je la vois son audience. Hein. Mais les hypocrites qu'il y a, mais c'est un truc de ouf. C'est la famille. Moi, ce qui me chagrine, c'est que j'ai jamais eu autant de vues, autant d'ajouts pour un sujet où les gens veulent s'entretuer. C'est un truc de ouf. En fait, c'est un débat que les gens, ils kiffent, mais qu'ils n'assument pas et qu'ils n'assumeront jamais parce qu'ils sont hypocrites. Et tous ces hypocrites se retrouvent dans le snap du... En fait, les gens, ils aiment pas. Ils aiment que quand ça se divise, quand ça se fracasse, quand il y a du sang, quand t'as vu, il faut les niquer. Ils nous détestent, ils nous aiment pas, mais je vous l'ai dit depuis le début. Ça, ils kiffent. Mais les bonnes actions, les trucs comme ça, c'est mort, ils aiment pas. Wallah. Et wallah, hier, la famille, quand j'ai vu le nombre de vues que ça m'a apporté
en termes d'ajout, en termes de vue, j'ai compris direct le but de l'hôte Kabab Laflous de Lyon. Voilà, j'ai compris. En fait, quand tu parles de ça, il y a tellement d'hypocrites, tellement des gens qui se détestent dans les deux camps et qui ne diront jamais et qui n'assument pas, qu'ils se voient à travers lui. T'as vu? Ils attendent la dinguerie pour que ça pète, pour qu'il y ait un mort ou un truc d'ouf, et ils kiffent ça. Ils sont là, ils se branlent sur son snap et ils regardent. C'est un truc de ouf, la famille. Comment il y a des hypocrites des deux côtés. Wallah, j'ai jamais vu ça. En tout cas, le khair, inshallah. Alhamdoulay, reste des gens bien. À tout à l'heure, la famille. Hey, tête de doigt de pied, il a insulté foot corner. Il s'est vite rétracté, hein. Non, mais Wallah, Adim, je disais pas ça. Je croyais que... Il y avait qu'un magasin à Paris. Wallah l'adim, force à Foot Corner. La tombe de ma grand-mère. Je crois que demain j'allais faire un tour à Foot Corner, moi. Voilà, je crois que Bassem demain va aller faire un tour à Foot Corner. Bougez pas, ça arrive. Bah alors, on s'excuse. Salope, salope, Khabab Laflous, salope un jour, salope pour toujours. Alors, hein, tout de suite, les gens des réseaux sociaux me sont tombés dessus. Moi, quand je parlais de Foot Corner, je croyais que c'était un magasin pour les sacs à main, créé pour les sacs à main, pour les sacs à main. La tête de ma grand-mère. En fait, non. Hamdoulay Yarbi, ils ont une soixantaine de magasins en France. Je crois que c'est des frères de Roubaix, c'est ça, qui ont ça. C'est des frangios de Roubaix, à la bien. Hamdoulay Yarbi, non, non, non. Bien évidemment, hein, on met pas tous, tout le monde dans le même sac. En tout cas, voilà, force à eux. Hamdoulay Yarabi, vraiment, c'est une très bonne marque. Salope! Salope! On parle à des gens ou qu'on dénonce des choses, faut avoir ce qu'on appelle une paire de qalois. Tu vois, chaque homme en est doté. Ça se trouve entre les jambes. C'est deux trucs avec des rognons dedans, entouré de peau. Ça s'appelle une paire de couilles. Toi, tu les as plus depuis longtemps. Donc, un conseil, continue de terminer les écolos, les bobos de merde, la tombe de ma grand-mère, les sacs à main à 800 km d'eux. Ça t'évitera de dire la tombe de ma grand-mère, c'est un bête de magasin. Force à vous. On a l'adim, sumhouli, les gens. Salope un jour. Salope pour toujours. Mais ouais, ma gueule, continue de terminer les écolos, au moins tu te feras pas casser la gueule et t'auras pas à t'excuser. Hein. Quoique les écolos peuvent se retourner contre toi un jour. Hein. Fais attention, tête de doigt de pied, parce que tu parles trop de... Oui, écolos de merde, les bouchons à Lyon, c'est à cause d'eux. Un jour, ils vont faire une réunion. Valérie, Timothée, Maximilien, Laurent, Grégory, ça peut plus durer. Non, l'autre, je peux plus me le voir. Il dit que les bouchons, c'est à cause de nous, alors qu'on est là pour la planète et pour que nos gosses respirent mieux. Merde, on va les péter la tête. Ils vont venir niquer ta race avec des bottes de... baseball recyclable. Voilà, fais très attention, ma gueule. Alors là, ils vont venir te casser la gueule avec des battes de baseball recyclable et des baskets en sopalin. Après, le lendemain, tu vas faire comme t'as fait avec Sadek. Tu vas dire, je m'excuse. Si seulement on m'avait laissé une minute. La tombe de ma grand-mère, j'aurais planté des géraniums et j'aurais arrosé les fleurs. On aurait fait des betteraves à la bien. En tout cas, Alhamdoulay Yarabi, ça veut dire que Dieu, il m'aime. Wallah il adim, je m'excuse auprès de tous les écolos. Je m'excuse auprès de tous les pingouins qui, à cause de moi, à cause de mes discours, se sont sentis frustrés. Je m'excuse auprès de tous les mammifères marins, Wallah al-Adim, que j'ai pu blesser. Et à cause de moi, ils n'ont pas pu nager la brasse correctement dans l'Antarctique. Alhamdoulay Yarabi, on est des gens qui savent reconnaître nos erreurs. La tombe de ma grand-mère, je m'excuse. Bah attention, hein, parce que si à chaque fois que tu termines quelqu'un, tu t'excuses juste après, bientôt tu pourras plus terminer que les 308 Peugeot. Hein. Voilà, hein. Fais très attention, ma gueule. Hein. Tu t'excuses tout le temps comme ça à chaque fois, c'est pas bon pour le business. Hein. Tu vas finir un jour par te réveiller un matin, tu vas dire la tombe de ma grand-mère, ces fils de pute de 308, année 2014. La tombe de ma grand-mère, il faut leur piner leur pute de grand-mère. Ils ont mis le FAP, ils l'ont fait exprès, la tombe de ma grand-mère, parce que qui nous détestent, nous, les Maghrébins, ces 308 de fils de capin. La tombe de ma grand-mère, le FAP, est une invention, mesdames et messieurs, pour faire couler le Maghreb. Wallah, tu vas finir comme ça. Salope! Salope un jour! Salope pour toujours!
Mais oui, mon vieux, continue de nous inventer des histoires sur ton snap. Nous dire salam alaikum, il y a un frérot, il m'a appelé. Il m'a dit que sa femme, elle l'a trompé avec un Congolais dans une classe A polonaise, dans une impasse derrière le Super U, la tombe de ma grand-mère. Ils avaient des ballons et tout, elle a bien. Sur la vie de ma grand-mère, on est devenus des déyoutes. Et le frérot, je parlais avec lui, je lui ai dit, mais pourquoi tu leur as pas piné leur pute de grand-mère? Il m'a dit, attendez, je vous dis ce qu'il m'a dit, parce que comme je vous invente une histoire, faut que j'invente aussi sa réponse. Bien sûr, cela va de soi, la tombe de ma grand-mère, on vit dans une utopie. Continue de faire tes snaps de merde comme ça, et arrête de parler des gens, parce que frérot, tu t'excuses trop. Salope. Salope un jour! Salope pour toujours! En fait, je vais te dire la vérité, tête de doigt de pied. Tu t'es vraiment enfoncé et coulé dans ta vie le jour où t'as pris une tarte par un Renault à Place de la Nation et que t'as rien fait. Toute ta vie, t'as dit que les Renois, tu parles des gens de Paname, les Renois de Paname, ils vous mettent à l'amende. Mais je sais pas, moi, donne l'exemple, Zabi. Tu fais 2 mètres, tu vas à la muscu. La vie de ma grand-mère, on va vous tirer dessus, on va vous écraser toute l'année. Tu parles que les Renois nous mettent à l'amende. Mais je sais pas, nous, on est des salopes, on a peur. Donne-nous l'exemple, on sait pas, nous, comment se battre, comment répliquer, comment... Non, toi, t'as pris une tarte, c'est bon, frérot. Wallahi l'adim, c'est bon. Les gens, ils filment et douze, c'est bon. T'as même pas posé ta main comme ça. Tu l'as touché du bout des doigts. Ouais, je crois que c'était un iPhone que tu voulais déverrouiller ou quoi. Quoi, tu l'as touché comme ça? C'est bon, frérot. Salope un jour, salope pour toujours. Ah, oh, je suis dans les bouchons là. Ah, oh, je vais farcir pendant au moins 40 minutes. C'est quoi cette... Ah, oh, je t'ai dit là, je suis dans les bouchons, je vais te faire. C'est quoi cette tronche, frérot, s'il te plaît? Là, il dit. Là, il dit, c'est quoi? C'est un minimum. Je dis pas que je suis beau gosse. J'ai une tête de ouf, y a pas de souci, j'ai un gros front. J'ai ce que tu veux. Mais wallah, un minimum. Jure, wallah, tu ressens pas une couille de chameau maintenant? Arrête, poteau. Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes. Je vous... Si t'es un homme... Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Et encore un gros bravo à cette équipe marocaine qui a fait l'exploit pour la première fois de son histoire de se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde. Voilà, et peut-être faire l'exploit en s'ils battent le Portugal. Ce sera le premier club africain tout simplement à arriver en demi-finale, ce qui serait extraordinaire. Et encore merci à tous les frères algériens, sénégalais, tunisiens qui sont venus faire la fête avec nous. Là, par exemple, on a vu, il y avait le loup de la street tout au milieu des Marocains. Il y en a qui sont venus avec les drapeaux algériens, tunisiens,
Voilà, respect, aucune embrouille, aucune animosité concrète. Et après, il a développé le sujet à propos d'Eto'o, parce qu'il avait fait, j'avais pas vu, parce qu'hier j'étais très occupé avec les matchs, tout ça. Il avait fait une story sur Eto'o, qui s'en était pris un supporter algérien qui lui a posé des questions, voilà, sur Gassama, l'arbitrage, tout ça. Et pareil, j'en ai fait une vidéo aussi, là, sur ma chaîne ActuYTB2. J'arrive pas à lire tous les commentaires. Il y a eu trop de commentaires. Trop de commentaires, trop. J'arrive pas à les lire. Je veux bien modérer, tu vois. Je veux modérer quand il y a des insultes, quand ça va trop loin dans les insultes, tout ça. Je suis obligé d'effacer, tu vois, pour que ça reste un espace clean quand même, tu vois. Mais il y a eu trop de commentaires d'un coup. Attends, je vais vous dire combien j'en ai eu sur ma chaîne. Hop. Il a pas tort sur ce sujet. Et après, on parlera de Foot Corner. Ah ouais, j'ai eu 83 commentaires, mais bon, comme j'étais dehors, je pouvais pas modérer tout ça. Sur la vidéo aussi de Henny, quand il disait Zama, il est jaloux du Maroc, mais chaque fois il en parle, tout ça. Alors qu'il bosse avec des Marocains dans sa team, tout ça. La vidéo, elle avait buzzé celle-là quand il avait dit qu'il était jaloux du Maroc. Ah ouais, 175 commentaires. J'ai modéré beaucoup parce qu'il y a eu des insultes de part et d'autre. Pareil pour la vidéo d'Eto'o, il y a eu beaucoup d'insultes. Donc, mais au bout d'un moment, quand tu as 200, 300 commentaires, là, t'as du mal, t'essayes, mais tu passes du temps à modérer, c'est vrai. Bon, sur YouTube, c'est important de modérer. Bon, les messages, tu peux sur Snap, tu peux ne pas les ouvrir, tout ça. Mais c'est vrai que, en fait, Bassem, moi j'ai toujours pensé, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, mais pour moi, Bassem, c'est un démago. Voilà. Il vise une certaine catégorie de gens et il leur dit ce qu'ils veulent entendre. Voilà. Tout simplement, je pense que c'est un démago. Parce qu'il a très bien compris. Moi, j'ai remarqué aussi, à l'époque, tu vois, quand j'étais en couple, ben, je voyais une fille rebeu avec un mec non rebeu. Ben, je calculais même pas, tu vois, je calculais même pas. Mais quand j'étais célibataire, que j'étais en galère et tout, ben, chaque fois que je voyais une fille rebeu qui est en couple avec quelqu'un qui n'est pas rebeu, ça me foutait les boules. Je me disais, pourquoi elle choisit lui et pas moi qui suis de... Tu vois? Donc ça, c'est un sentiment que j'ai déjà vécu à l'époque. Voilà, ce sentiment-là, tu l'as souvent quand tu es seul. Quand tu es en galère, ben quand tu es en galère, tu es souvent seul, tu n'es pas en couple. Quand tu n'as pas de quoi te payer un loyer, quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas de revenus, c'est plutôt dur de se mettre en couple. Donc il y a beaucoup de gens qui, justement, ne sont pas en couple et qui souffrent de ça. Pour moi, peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison, mais pour moi, c'est une forme de démagogie. Voilà. Et c'est vrai que le clash, ça fait des vues, ça fait du buzz. C'est comme ça. En fait, c'était un philosophe, il me semble, qui avait dit pour que l'homme, l'être humain, il est toujours en train de surveiller s'il n'y a pas un danger, s'il n'y a pas bagarre, s'il n'y a pas bagarre entre tribus, parce qu'on vit en tribu depuis des milliers et des milliers d'années, on vit en tribu. Donc il paraît que c'est rentré dans nos gènes. Après, c'est des théories, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais on serait tellement à l'affût du danger, par exemple quand on vivait dans les zones sauvages, ben on surveillait de loin s'il n'y a pas un danger. Donc la recherche du danger était vitale pour pouvoir l'esquiver justement. On cherchait s'il n'y a pas un lion, s'il n'y a pas une tribu adverse qui vient pour voler, pour se bagarrer, pour piquer le territoire. Donc c'était la priorité absolue, c'était ça, c'était la recherche de traces de danger. Il regardait partout s'il n'y a pas une crotte de lion, par exemple, ça dépend des régions, une crotte de loup. Donc, à bout d'un moment, il savait à quoi ressemble telle crotte, tel truc, les traces de pas. Ah, attention, il y a des traces, est-ce qu'elles sont fraîches, est-ce qu'elles sont pas fraîches? Donc, c'était une obstination de l'être humain à rechercher le danger envers les animaux sauvages et les tribus adverses. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est attiré vers la violence, vers la bagarre, vers le clash, Mais bon, ça parlait même de guerre. Attends, c'était une histoire entre Eto'o et un supporter, une histoire de football déjà à la base. Déjà, je trouve qu'un président, il n'a pas à se comporter comme ça. C'est une histoire de football et là, il parle de guerre. Ouais, le Cameroun, il va envahir l'Algérie ou l'Algérie va envahir le Cameroun. Mais vous avez rêvé. Déjà, d'une part, c'est loin. Et deuxièmement, comme je disais à des amis, c'est... Le jour où il y a la guerre, c'est là où on va regretter la paix. Parce qu'une guerre, tu l'arrêtes pas comme ça. C'est pas
Tu fais pas une guerre une semaine et la semaine d'après, non. Comme j'ai dit à des amis, si c'est chaque semaine, tu vas pleurer un proche, un gars de ton quartier qui est mort, chaque semaine, tous les 3 jours. Tu vas pleurer un proche qui est dans l'armée, un proche qui est dans des dégâts collatéraux. Enfin bref, là je m'égare un peu du sujet. Et après Bassem, par rapport à Foot Corner, voilà, il se serait rétracté, il aurait dit que c'est une marque pour sac à main, alors qu'en fait c'est des mecs de Roubaix. Voilà. Donc après, oui, à chercher des fois la merde, et ben on peut la trouver malheureusement, à force. À force, mais c'est le personnage un peu Bassem, tout ça, comme ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas glorieux non plus d'insulter une marque, une boutique, et après devoir s'excuser. C'est vrai que là-dessus, il a terminé le loup de la street. Il l'a terminé. Ah, bah, franchement, voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, mais sans insultes, bien sûr, parce que sinon les insultes répétées et graves, ça, je vais les insultes graves, je vais les effacer. Voilà, pour que mon espace soit un espace de dialogue et pas un espace de haine. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB de... Tchuss, à bientôt. Arrête, arrête, arrête!